Yves, tu en es où? René, il est en train de se passer de la crèche, là. 5h30, un matin d'été. 200 personnes se sont donné rendez-vous sur un chemin de terre perdu en plein cœur d'un immense delta. Doucement, cet étrange rassemblement s'avance peu à peu dans des eaux boueuses, parfois maladroitement et non sans difficulté. En face, de curieux oiseaux, dressés sur de longues pattes frêles, observent attentivement ce surprenant manège. Ces oiseaux gris, au bec busqué et aux pattes effilées, ce sont de jeunes flamants roses. Ils sont nés ici, sur cet îlot, au milieu de l'étang du Fangassier, il y a 2 mois à peine. Aujourd'hui, un drôle de baptême attend certains d'entre eux. Des scientifiques vont rassembler 800 poussins dans un enclos éphémère, spécialement conçu pour l'occasion. Les jeunes flamands sont ainsi bagués, pesés et mesurés afin de pouvoir les étudier et suivre leurs déplacements. KFSX vers le haut. L'opération n'aura duré que quelques heures et pourtant, cela fait plus d'un demi-siècle que ça dure. Tout a commencé ici, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sur ce territoire immense, où eaux, sensuires et roselières s'entremêlent et s'en mêlent au fil des saisons. Nous sommes en pleine Camargue, où le Rhône épouse enfin la mer. Ce deuxième delta de Méditerranée est la plus grande zone humide de France. Marais, lagunes, tourbières, mangroves, lacs, rivières. Tous ces milieux fortement marqués par l'empreinte de l'eau sont des zones humides. Au carrefour entre écosystèmes terrestres, d'eau douce et marine, ces milieux sont les plus productifs de la planète. Près d'un quart de la productivité primaire s'y développe sur une surface ne couvrant pourtant que 6% des surfaces émergées du globe. Ainsi, les zones humides abritent une biodiversité d'une richesse exceptionnelle. 30% des espèces végétales remarquables ou menacées y vivent. 50% des espèces d'oiseaux en dépendent et 2/3 des poissons s'y reproduisent ou s'y développent. Sans compter les milliards d'invertébrés à la base de chaînes alimentaires complexes. Par ailleurs, les zones humides fournissent à l'homme des services écologiques inestimables. Il y exploite de nombreuses ressources comme les produits de la pêche ou de l'agriculture. Le fonctionnement particulier des zones humides permet la recharge en eau des nappes souterraines et nous assure l'irrigation des cultures et l'approvisionnement en eau potable. Thank you.
Véritables éponges, ce sont aussi les zones humides qui, en cas d'inondation, permettent la maîtrise des crues grâce à leur capacité de stockage. Elles sont aussi capables d'épurer l'eau en piégeant et dégradant les polluants et les nutriments en excès. Véritables amortisseurs climatiques, elles stockent le CO2, atténuent les effets des événements météorologiques extrêmes et réduisent l'érosion littorale grâce à l'apport de sédiments. Mais l'image des zones humides comme le delta du Rhône n'a pas toujours été aussi flatteuse et poétique. Marécages, insectes qui pullulent dont certains sont vecteurs de maladies, vastes espaces hostiles et inaccessibles, étendues désertiques et incultivables. Voici au 19e siècle et jusque dans les années 50 la vision que nous avions de ce type de territoire, pourtant si riche. Dès lors, l'homme a cherché à maîtriser et à aménager ses milieux pour répondre à ses besoins. Développement urbain, industriel, agricole et touristique. La destruction de ces espaces s'est fortement accélérée depuis le début du XXe siècle. Assèchement, drainage, poldérisation, endiguement, épandage de produits chimiques. Introduction volontaire ou accidentelle d'espèces invasives, entrant en compétition avec la faune et la flore locale. Ainsi, plus de la moitié des zones humides auraient disparu de la surface de la Terre depuis le début du XXe siècle. En 1946, Luc Hoffmann est un naturaliste suisse de 23 ans à peine. À cette époque, il se consacre à l'étude de la sterne Pierre Garin dans le cadre de sa thèse de doctorat à l'Université de Bâle, en Suisse. L'étude de cet oiseau migrateur, poétiquement surnommé l'hirondelle de mer, a entraîné le jeune ornithologue jusqu'en Camargue. Un an après sa première rencontre avec les vastes étendues du delta du Rhône, cet héritier d'un grand laboratoire pharmaceutique acquiert le domaine de la Tour du Valat, un mas entouré de 1250 hectares de terre et de marais à l'est de la Grande Camargue. À cette époque, la Camargue est fortement menacée par le développement de l'agriculture intensive et l'urbanisation du littoral gagne du terrain. Mais Luc Hoffmann a un grand projet, briser l'image négative des zones humides et enrayer la destruction de la Camargue. Au début, j'étais considéré comme un fou. Et ensuite, il y avait une certaine hostilité qui se développait parce que les Camarguais trouvaient que des gens qui ne veulent pas mettre en agriculture leur terrain, ce sont des gens hostiles au développement. Pour protéger la Camargue, Luc Hoffmann compte s'appuyer sur des études scientifiques qui permettront de mieux comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes complexes. On ne pouvait pas penser que les gens d'eux-mêmes s'intéressent à la conservation de la nature si ça ne leur apporte pas des avantages. Nous tirons profit des nombreuses ressources que nous offre la nature. Les milieux humides sont le support d'une multitude d'activités économiques. Luc Hoffmann sait que la protection durable de ces écosystèmes ne peut se faire en excluant l'homme. En 1954, il crée la station biologique de la Tour du Valat. Scientifiques, naturalistes et techniciens de tous horizons viennent y travailler. Parmi eux, des personnalités comme Max Nicholson, François Bourlière ou encore José Valverde. Les premières études scientifiques sur les zones humides et les espèces qu'elles abritent commencent dans ce domaine isolé, devenu alors un véritable laboratoire grandeur nature. Thank you.
Au début des années 60, on ne trouvait pas autant de flamants en Camargue. Nous sommes sur les temps du Fangassier. Ce site accueille chaque printemps environ 10 000 couples de flamants roses venus y élever leurs poussins. Une période délicate pour l'espèce que les scientifiques de la Tour du Valat scrutent avec attention. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Jusque dans les années 70, les flamands ne nichaient plus en Camargue et les effectifs de l'espèce chutaient, non seulement en France, mais aussi dans tout le bassin méditerranéen. Le flamand rose présente en effet certaines exigences pour assurer sa reproduction. Il a besoin d'un îlot suffisamment grand pour accueillir toute une colonie qui peut atteindre plusieurs milliers d'individus. Cet îlot doit être isolé, entouré d'eau et éloigné des berges pour décourager les prédateurs tels les sangliers et les renards. Ces conditions n'étaient que très rarement réunies depuis les grandes opérations d'endiguement du delta, terminées au début du XXe siècle. Pour Luc Hoffmann, le retour du flamand rose n'était possible qu'en créant et protégeant des sites de reproduction. Dès 1970, la Tour du Valat collabore avec la Compagnie des Salins du Midi, producteur de sel, pour construire un îlot d'un hectare dans l'étang du Fangassier. Mais les flamands n'ont pas immédiatement pris l'habitude de nicher sur ce site. En hiver 1973-14, nous avons moulé des nids avec des seaux de vendange remplis de boue. Et en 1974, pendant la saison de reproduction, ils ont colonisé l'endroit sur l'îlot où nous avons posé les nids artificiels. Les flamands eux-mêmes n'ont pas utilisé beaucoup de nids. Ils ont souvent niché entre deux nids. Mais ça n'avait aucune importance, c'est que les flamands, à partir de 1974-75, ils ont trouvé l'îlot qu'on avait fait pour eux. Et pour moi, c'était très clair que la présence des nids les avait attirés sur ces endroits-là. Le Fangassier est resté pendant près de 30 ans le seul site de reproduction régulier du flamand rose dans le bassin méditerranéen. Aujourd'hui, il fait partie des 10 principaux avec notamment Fuente de Piedra en Espagne et Comacchio en Italie. Grâce au programme de bagages mis au point en 1977 par Luc Hoffmann et Alan Johnson, des avancées scientifiques importantes ont été réalisées et l'on connaît aujourd'hui mieux la biologie de l'espèce. Les chercheurs ont ainsi découvert qu'il était un des rares oiseaux infidèles. Il change chaque année de partenaire. Au moment où le retour du flamand rose en Camargue s'opérait comme un véritable succès, Luc Hoffmann s'attelait à la signature d'une convention qui entrera dans l'histoire de la protection de l'environnement. Le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar, en bordure de la mer Caspienne, 18 pays s'engagent à protéger les zones humides sur leur territoire. À ce jour, la Convention de Ramsar compte près de 170 pays signataires avec plus de 2000 sites répertoriés, dont la superficie totale est plus vaste que celle du Mexique. 20 ans plus tard, le réseau MedWet est créé pour mettre en œuvre la mission de cette convention au travers de collaborations diverses à l'échelle du bassin méditerranéen. Ainsi, sous l'impulsion de Luc Hoffmann et de la Tour du Valat, toute une communauté de scientifiques, gestionnaires et politiques travaille chaque jour pour l'étude et la protection des zones humides à travers le monde. La richesse de la Camargue réside non seulement dans sa nature de zone humide, mais également dans sa position géographique particulière. Ce delta se situe en effet au carrefour de nombreux trajets migratoires entre l'Europe du Nord, la plaque eurasiatique et le continent africain.
simple halte migratoire, lieu de nidification ou encore site d'hivernage, près de 400 espèces d'oiseaux sont ainsi répertoriées en Camargue tout au long de l'année. En hiver, ce sont en effet des centaines de milliers d'oiseaux, parmi lesquels bécassos, chevaliers, foulques, sarcelles d'hiver ou encore oies cendrées, qui se regroupent sur les marais du delta. Le marais du Saint-Seurin, sur le domaine de la Tour du Valat, est devenu l'un des principaux sites d'accueil des oies cendrées hivernantes. Cette espèce profite des jeunes tubercules de sirpe rendus accessibles par la présence des taureaux au printemps. Kaufmann a voulu qu'il y ait une gestion exemplaire au niveau du pâturage, le pâturage qui permettait d'ouvrir le milieu pour qu'en hiver, ça soit un plan d'eau découvert qui attire beaucoup les canards. Quand les oies sont arrivées, on a craint que notre troupeau fasse concurrence aux oies par rapport aux sirpes. Et en fait, le pâturage par le bovin permettait d'avoir des petits tubercules de sirpe qui étaient vraiment très favorables aux oies. Donc c'est vraiment le troupeau est favorable à l'hivernage des canards et des oies. En Camargue, il y a un autre oiseau migrateur que tous les ornithologues de la région attendent avec impatience dès la fin de l'automne. Plus de 7000 grues cendrées viennent passer l'hiver en Camargue. Elles sont dotées d'une trachée particulièrement allongée et leur doux roucoulement peut s'entendre sur plusieurs kilomètres. L'hiver passé à se nourrir dans les immenses champs de céréales, elles repartiront vers le nord de l'Europe ou l'ouest asiatique dès le début du mois de mars. Le développement de l'agriculture intensive est loin d'avoir été bénéfique pour toutes les espèces. En Camargue, environ un quart de la surface a été transformée en zone agricole. Les conséquences sur la biodiversité ont souvent été néfastes, y compris pour certaines espèces peu connues du grand public. Cette tortue aquatique est une cistude d'Europe. Elle serait présente en Camargue au moins depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ. Avec le développement de l'agriculture, tout un réseau de canaux a vu le jour pour permettre l'irrigation des champs. Ces canaux, que l'on nomme des roubines, sillonnent la Camargue sur plusieurs centaines de kilomètres. L'artificialisation du delta a fortement menacé la cistude d'Europe par l'assèchement des sites et la fragmentation de son territoire. Les nombreuses études menées par la Tour du Valat sur cette espèce permettent d'évaluer l'état de santé des populations, mais aussi de préconiser une gestion des habitats favorables, comme l'entretien des sites de ponte. Joli mâle non marqué de cistule.
Aujourd'hui, l'espèce a recouvert de meilleurs effectifs, mais son statut reste très fragile. Longtemps, la conservation de la nature consistait à mettre les espaces naturels sous cloche et à empêcher toute présence humaine. Luc Hoffmann est l'un des premiers à avoir prôné une gestion des milieux naturels qui concilie protection des espèces et maintien des activités humaines. Les gens qui voulaient protéger la nature dans les années 50, ils voulaient la protéger contre l'homme parce qu'elle n'était pas menacée par autre chose. Et ils n'avaient pas conscience qu'en travaillant avec la nature, on pouvait mieux l'utiliser et mieux la protéger. Dans les marais du Verdier, la cohabitation entre l'homme et la nature est un succès depuis 2003. Donc le concept de ce projet sur les marais du Verdier, c'était de développer avec les habitants du hameau, après l'acquisition du site qui fait 120 hectares, une gestion participative. Donc avant de rentrer vraiment dans l'aménagement du site, on a demandé aux gens ce qu'ils voulaient voir développer comme activité sur ce domaine. Ici, le pâturage des chevaux est un outil de gestion pour contrôler la végétation. La chasse, activité traditionnelle, y est autorisée tout en étant contrôlée par la Tour du Vala, propriétaire du site. Ornithologues amateurs et aguerris viennent trouver ici les conditions idéales pour l'observation des oiseaux. En impliquant directement la population locale pour sa gestion, les marais du Verdier sont un formidable outil de sensibilisation et un exemple de réussite à petite échelle où protection de la nature et activités de loisirs concordent. Les zones humides sont l'habitat privilégié de nombreux insectes, notamment les moustiques. Ils pullulent à la belle saison dans les herbes hautes, près des marais d'eau douce et des eaux stagnantes. L'apparition de maladies dues à ces insectes a longtemps constitué un argument supplémentaire pour drainer les zones humides. Mais les espèces aujourd'hui présentes en Camargue, en milieu naturel, ne sont pas impliquées dans la transmission de maladies à l'homme. Les moustiques représentent même une ressource alimentaire importante pour de nombreuses espèces. Il reste néanmoins une nuisance importante que notre société moderne supporte mal. Pendant de nombreuses années, la démoustication sur le littoral méditerranéen français a été réalisée à l'aide d'insecticides nocifs pour l'environnement. Depuis 2006, une démoustication par avion avec un insecticide biologique, le BTI, est expérimentée dans certaines zones du delta. Mais cette démoustication est-elle réellement sans danger? Des chercheurs de la Tour du Vala réalisent depuis 2007 un suivi scientifique afin d'évaluer les impacts de cette démoustication sur la biodiversité. Leurs conclusions montrent que le BTI n'est pas si sélectif. Une fois dans les premières couches du sédiment, il est alors disponible pour une autre espèce, le chironome. Cet insecte non-piqueur, de la même famille que le moustique, constitue une ressource alimentaire importante pour d'autres insectes, comme les libellules, mais aussi de nombreux oiseaux. Les hirondelles qui vivent dans des zones traitées au BTI vont manger évidemment moins de chironome, moins de moustiques, mais ils vont manger aussi moins d'araignées. Ces hirondelles-là sont obligées donc de se rabattre sur une autre proie et donc ils vont manger beaucoup de fourmis volantes. Mais le souci des fourmis volantes, c'est qu'elles sont assez indigestes. Et quand ils nourrissent leurs petits avec des fourmis volantes,
le taux de survie des petits est largement diminué. On observe une diminution d'environ 30% de nombre de poussins à l'envol. Vous vous rendez compte, j'ai deux oisillons d'âge 2. Face à la nuisance importante que constituent les moustiques dans les zones humides, des alternatives à la démoustication, non nocives pour l'environnement, sont possibles. Des pièges à CO2 notamment peuvent être installés dans les espaces habités où la gêne est ressentie. Ces pièges, contrairement aux BTI qui ciblent seulement deux espèces, agissent sur l'ensemble des espèces piqueuses sur une surface de 65 mètres carrés. Et pour les balades naturalistes, rien ne vaut le port du vêtement long. Dans les zones humides comme la Camargue, la présence rapprochée d'hommes et d'animaux peut favoriser les échanges de virus et de parasites. Nous sommes en plein mois de janvier. Plus violent et glacial que jamais, le Mistral, insatiable, poursuit méticuleusement son lent travail de modelage du paysage. Les rassemblements d'oiseaux sur les sites d'hivernage sont particulièrement favorables à la dispersion des virus entre les individus. Dans les zones humides, du fait des activités humaines qui sont dans ces milieux-là, on va avoir des contacts directs entre la faune sauvage, l'environnement dans lequel on peut aussi avoir les virus, et l'homme qui est présent dans cet environnement-là. Donc c'est une zone d'échange privilégiée pour les agents pathogènes entre faune sauvage, animaux domestiques et humains. C'est pourquoi l'étude et la surveillance des pathogènes font l'objet d'une attention croissante au sein des zones humides. L'enjeu dans l'avenir, c'est vraiment de travailler ensemble entre médecine humaine, médecine vétérinaire, écologie et donc conservation des milieux naturels en général, des zones humides en particulier. En 2004, lors de la crise de la grippe aviaire, les chercheurs de la Tour du Vala avaient sensibilisé les pouvoirs et l'opinion publique sur la confusion qui régnait. On accusait les oiseaux migrateurs de propager la maladie, alors que sa dissémination était principalement due aux échanges commerciaux. Les études scientifiques menées par ce laboratoire unique ont bouleversé notre compréhension du fonctionnement des zones humides méditerranéennes et des multiples espèces qui en dépendent. Les grands mouvements de protection de la nature lancés à partir de la seconde moitié du XXe siècle, comme le WWF, cofondé par Luc Hoffmann en 1962, ou l'UICN, bénéficient de l'expertise de la Tour du Vala. Luc Hoffmann, grand naturaliste avant-gardiste, est l'un des premiers à avoir défendu une protection de la nature en harmonie avec le développement humain, initiant alors la création d'un nouveau concept qu'on appellera, quelques années plus tard, le développement durable. On sait aujourd'hui que les zones humides jouent un très grand rôle dans le fonctionnement de la nature. Généralement, là où on a détruit les zones humides, tôt ou tard, des conséquences néfastes pour le développement se sont montrées. Les travaux de la Tour du Vala permettent de freiner la destruction des zones humides méditerranéennes et participent à la prise de conscience du grand public. En 1974, elle devient une fondation scientifique reconnue d'utilité publique. Depuis plus de 60 ans, ses travaux de recherche lui permettent d'alimenter et de conseiller les politiques publiques environnementales sur la base de résultats scientifiques. La Tour du Vala est ainsi devenue un acteur de la politique environnementale en France, mais également à l'étranger. Aujourd'hui, il apparaît clairement que la conservation des zones humides est un enjeu de société. Les zones humides sont les milieux les plus productifs de la planète, ceux qui contribuent le plus au développement et à la subsistance de l'humanité. Et dans le même temps, c'est le milieu qui est le plus détruit avec un acharnement incroyable par cette même humanité qui en bénéficie. Les conserver n'est pas simplement un hobby de naturaliste, c'est un enjeu de société, c'est une nécessité pour nous et une nécessité pour les générations à venir.
Pour mettre en œuvre les politiques du ministère en charge de l'écologie, au niveau du territoire, nous avons besoin d'acteurs extrêmement compétents et impliqués pour mener ces politiques. La Tour du Valais en fait partie, de par ses compétences scientifiques, son réseau, son mode de fonctionnement. Depuis le début, le ministère en charge de l'écologie a fait confiance à la Tour du Valais pour aller au plus près du territoire et puis mener des actions concrètes. Au sortir de la Seconde Guerre, Luc Hoffmann, 23 ans, que l'on prenait certainement à l'époque pour un doux rêveur, imaginait-il la place et l'ampleur qu'allait prendre son projet et ses passions ? La Tour du Valais, c'est une histoire assez improbable. Quelqu'un qui vient des montagnes, qui s'installe dans les marais et qui se met en tête d'expliquer autour de lui le bénéfice que ces zones peuvent représenter, c'était pas gagné d'avance. Aujourd'hui, je crois qu'il va falloir mettre plus le projecteur sur la communication, sur la pénétration de nos idées là où c'est important, et puis sur la création d'une plateforme commune où nous pourrons arriver ensemble à une gestion optimale des zones humides. Les consciences ont évolué. Ces écosystèmes ne sont plus vus comme des milieux hostiles, mais comme des habitats riches et précieux. Malgré tout, les activités humaines associées au changement climatique restent une menace forte pour les zones humides. Nous rentrons dans une phase où, plutôt qu'essayer de transformer de manière matérielle les zones naturelles, il va falloir apprendre à travailler avec elles et à utiliser leurs avantages, leurs bénéfices, de la manière la plus efficace possible pour la communauté. Inclure l'homme dans la nature, concilier ses besoins avec la sauvegarde de l'environnement, c'est bien là la clé de la réussite et la seule façon de préserver les zones humides. Ces espaces si particuliers dont l'homme et toute une biodiversité exceptionnelle dépendent.